Et voilà, qui c'est qui rattrape? C'est bon, j'étais bloqué la rouge. Eh, c'est pas là-haut là pour moi. Fais attention qu'ils sont volés. Ouais. En tête, c'est important. Voilà, bloquez-le en tête. Allez, c'est quoi, c'est la montagne. C'est un jour. Alors, on va mettre le tangon. On va le descendre un peu et on va le mettre sur l'avant familière. C'est où le poids là? Putain, c'est quoi ce bordel quoi? Irina, c'est un voilier classique de 1935, lancé en 1934. Son architecte, c'est Alfred Mine, qui a fait des voiliers comme Tendara, Tigris, The Blue Peter et d'autres. Mais la construction fut dans le chantier Fife. C'est pour ça que sur la coque, on voit le petit liseré avec le dragon devant et derrière de Fife, parce que le voilier est sorti du chantier Fife. Donc c'était un voilier destiné à la croisière et lancé par son armateur au début du lancement dans un cadre familial avec donc le voilier n'était pas en très bonne forme, il y avait beaucoup de choses à revoir, notamment le pont plus les aménagements intérieurs. Et donc maintenant le voilier est en Méditerranée, il participe à tout le programme des régates estivales en classique, à savoir qu'il y en a une quinzaine. Donc voilà, donc Irina depuis 2002-2003 en Méditerranée. Faites une clairière. On fait un peu de location pour un peu compenser les frais annuels d'entretien et puis aussi pour laisser aller à
la possibilité à des gens qui habituellement font du moderne ou font autre chose, et ben d'avoir l'occasion d'embarquer sur un voilier classique et de participer à ces régates classiques où on est au milieu d'une flotte des plus anciens voiliers du monde, constituée de 12 personnes d'équipage. C'est un groupe très folklorique, très enthousiaste, qui apporte beaucoup d'idées et d'originalité à bord. Et ma foi, on fait de la voile avec quand même des efforts assez conséquents, mais toujours dans un cadre assez convivial et très amusant. Droit devant, la bombe ça passe. Bravo. Droit devant. Le bon sac, le bon sac. Une corde. Ok, c'est bon, c'est parti. Lâchez la bombe. Lâchez la bombe. Il y a une corde là. Pourquoi cette corde? Pourquoi cette corde? C'est quoi le poids? C'est quoi le poids? Ah putain, c'est le ciel. Allez, ok, j'envoie. Hein?